la relation secrète qu'entretenait Lady Diana avec une rockstar. Très populaire et aimée du public, Lady Diana était devenue la source de tous les fantasmes, donnant naissance à tout un tas d'histoires. Il est une anecdote qui continue de fasciner et d'alimenter les imaginations, l'histoire de la princesse Lady Diana et d'une rockstar. Cette anecdote a marqué les années 90. Dans un monde où la royauté rencontre le rock'n'roll, une relation se forme, défiant les règles et suscitant des rumeurs à n'en plus finir. Au cœur de cette histoire, nous trouvons Lady Diana, l'emblématique princesse de Galles, dont le charme, la grâce et la vulnérabilité ont conquis le cœur du monde entier. Et à ses côtés, une figure tout aussi fascinante du monde de la musique, Bryan Adams, le rocker canadien au succès fulgurant. Connu pour ses ballades entraînantes et ses mélodies inoubliables. Leur rencontre, selon des sources comme le Daily Mail, semble tout droit sortie d'un roman, les deux célébrités se sont rencontrées par hasard dans un avion. Ce qui rend cette relation intéressante, c'est la manière dont elle a été perçue et interprétée par le public et les médias. La chanson « Diana », sortie bien avant leur rencontre, avait déjà créé des rumeurs de liaison entre les deux. Les spéculations sur une possible liaison amoureuse entre Diana et Bryan ont enflammé l'imagination collective, tenant les fans en haleine pendant des années. Mais au-delà des rumeurs et des fantasmes, ce qui ressort de leur relation, c'est une connexion profonde, basée sur une amitié sincère et des valeurs en commun. Bryan Adams lui-même a décrit leur lien comme une source de discussions enrichissantes et de moments précieux, loin des projecteurs et des obligations royales. Leur amitié témoigne d'une complicité, où la musique et le partage émotionnel jouaient un rôle central. L'histoire de Lady Diana et Bryan Adams est emblématique du pouvoir de la musique à unir les gens, transcendant le statut social, les titres et les attentes. La princesse, connue pour son amour de la musique et sa capacité à nouer des amitiés authentiques dans divers milieux, trouvait dans ses interactions une échappatoire à la pression de la vie publique. Alors que les rumeurs de romance entre Lady Diana et Bryan Adams seront peut-être toujours enveloppées de mystère, ce qui demeure, c'est le souvenir d'une amitié véritable. Et vous, que pensez-vous de cette amitié si mystérieuse ?